Quelles sont les étapes pour investir dans l'aquaculture au Sénégal et en Afrique? Chers amis, aujourd'hui, Poche Edu vous revient sur la manière ou bien les étapes à suivre pour réussir votre activité d'investissement dans le monde de l'aquaculture ou bien de la pisciculture. L'Afrique a ses réalités, donc où il y a des garde-fous à mettre en place. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de ces quatre étapes. La première consiste à la formation. Avant de se lancer dans une activité, il est crucial de faire une formation. Donc, cette formation peut être dédiée à vous-même en tant qu'investisseur pour avoir les bases nécessaires. Ou bien, vous faites former l'agent qui aura en charge la gestion de votre exploitation piscicole. Maintenant, si vous êtes dans un cas où vous ne pouvez pas faire la formation dans ces deux cas, donc ce que vous pouvez faire, c'est de faire appel à un expert qui en aquaculture ou bien dans la pisciculture qui aura en charge l'ensemble des activités, que ce soit la gestion, le suivi de votre exploitation piscicole. Donc, vous pouvez déléguer cette tâche. Donc, la deuxième étape, c'est bien sûr de travailler avec un professionnel lors de l'installation de votre ferme piscicole. Donc, votre expert va se charger de tout ce qui est installation des infrastructures, mais aussi la fourniture des intrants qui vous permettront de réussir l'activité. En même temps, il pourra vous donner des conseils allant dans le sens du suivi de l'exploitation. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape consistera à penser à la vente, puisque, comme vous le savez, produire c'est bien beau, mais vendre c'est encore mieux. Donc, il va falloir penser à votre marché, que ce soit le marché immédiat, que ce soit le marché beaucoup plus élargi, le marché de proximité. Mais là, il faudra vraiment y penser d'une manière profonde. La dernière étape consiste à penser à être patient. Il faut être patient car, comme vous le savez, la production piscicole dure 4 à 6 mois. Donc, durant ces 4 à 6 mois, vous n'allez faire que dépenser avec l'alimentation. Donc, du coup, il va falloir être très, très patient. Mais aussi, la patience va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, lorsque vous allez faire écouler vos produits en premier lieu, et vous pourrez pourquoi pas réinvestir encore dans l'amélioration tout en augmentant le nombre de bassins que vous avez à votre disposition et tout. Parce que c'est ça qui vous permet d'être très rentable dans le futur. Au départ, c'est pas évident, donc il y a les installations à faire, mais au finish, il va falloir vraiment aller dans l'amélioration continue qui vous permettra de réussir votre activité de pisciculture. Voilà, chers amis, ce qu'on avait à vous présenter concernant l'investissement dans le domaine de la pisciculture en Afrique. Et on vous donne rendez-vous très bientôt avec d'autres vidéos.